Et effectivement, cette question de l'impartialité ou de l'indépendance de l'expert, on a parfois l'impression qu'elle se résume, un peu un marronnier, quoi, hein, qui se résume à cette fameuse question fondatrice de la compatibilité ou de l'incompatibilité de les missions d'expertise judiciaire, ou en tout cas juridictionnelle au sens large, et le fait pour certains experts inscrits sur les listes de réaliser des missions au profit des compagnies d'assurance. Alors, marronnier, parce qu'on en parle depuis, j'ai l'impression, toujours, et que le rapport Lambert-Fèvre en 2002, par exemple, préconisait la stricte séparation des deux missions. C'est une question qui se conçoit tout à fait quand on envisage la place qu'est aujourd'hui celle de l'expertise dans l'évaluation du dommage corporel, et même dans le champ de l'expertise médicale de manière générale, hein, s'agissant par exemple de la responsabilité des professionnels ou des établissements de santé. Évidemment, l'expertise va jouer un rôle déterminant. Hein. François-Xavier Testu disait « le petit procès décisif au cœur du grand ». C'est une formule qui est tout à fait éclairante à ce sujet. À côté de ces éléments, je dirais, généraux, je pensais qu'il n'était pas inintéressant d'en reparler au vu de ce qui se passe actuellement dans la pratique à deux niveaux. D'une part, s'agissant des exigences qui sont désormais celles de certains avocats quant à la désignation de certains médecins experts qui sont par ailleurs des médecins conseillers de compagnie d'assurance. Et puis, le second niveau était celui de la politique de certaines cours d'appel en matière d'inscription ou de réinscription d'experts précédemment inscrits qui se voient, pour certains d'entre eux, refuser cette réinscription dans un certain nombre de rubriques au motif de cette activité au profit des compagnies d'assurance. Voilà. Donc, j'aimerais dans un premier temps examiner cette question du cumul des fonctions, et puis peut-être dans un deuxième temps, essayer de faire quelques propositions ou tracer quelques pistes qui n'auront pas forcément une dimension d'une particulière originalité, mais qui, à mon avis, doivent tout de même être évoquées pour essayer d'avancer sur le sujet. Donc, c'est bien la place de l'expertise qui crée cette exigence d'indépendance et d'impartialité de l'expert, en plus de celle de compétence, si l'on... On admet effectivement que dès lors que la motivation en fait de la décision du juge va essentiellement fonder sur l'expertise, ben encore faut-il que la création de cette expertise soit assortie d'un certain nombre de garanties. Les exigences d'indépendance et d'impartialité, elles sont vérifiées, on va dire, à deux étapes de la procédure expertale. Au moment de l'inscription sur les listes, hein, tant sur celles tenues par le juge judiciaire que sur celles qui sont désormais tenues de manière obligatoire par les cours administratifs d'appel depuis 2013. Et on va retrouver ces exigences dans le décret du 23 décembre 2004 pour les experts judiciaires et à l'article R221-11 du Code de justice administratif qui prévoit la déclaration de lien d'intérêt de l'expert. La plupart des cours d'appel judiciaires et la Cour de cassation exige également, au moment de l'inscription ou de la réinscription, la production d'un formulaire dans lequel elles invitent les impétrants à renseigner le nom des compagnies d'assurance pour lesquelles ils travaillent, ainsi que le nombre de missions réalisées au profit de ces compagnies. Dans le même temps qu'est demandé de préciser la proportion de l'activité totale de l'expert représentée par ses missions sur les deux années écoulées. Alors, une proposition de loi qui avait été soumise à l'Assemblée nationale en 2010, hein, proposition de loi visant à améliorer l'indemnisation des victimes de dommages corporels suite à des accidents de circulation, aller un petit peu plus loin et prévoyait la déclaration au Conseil de l'Ordre de ces missions réalisées par les médecins experts au profit des compagnies d'assurance. Bon, cette proposition n'a pas prospéré devant le Sénat, donc il n'y a pas davantage de précision dans les textes s'agissant de ces obligations particulières de l'expert. Indépendamment des textes, on dispose d'une jurisprudence qui est un petit peu... on va dire, qui est relativement ancienne, de la deuxième chambre civile,
s'agissant de cette question du cumul des deux types de fonctions, avec un principe qui est celui de l'absence d'incompatibilité en soi entre le fait de réaliser des missions au profit des juridictions et le fait de prêter son concours à des compagnies d'assurance. Donc, on voit deux arrêts de la deuxième chambre civile, 25 mai 2008 et 27 juin 2013. La deuxième chambre civile apportant un tempérament dans un arrêt du 14 mai 2009, puisqu'elle va se livrer dans cette décision à une appréciation quantitative de l'activité de l'expert, et elle va estimer que la réalisation de 200 missions par an pendant au moins 5 ans par cet expert eh bien, ne permettait pas de considérer qu'il présentait toutes les garanties d'indépendance et d'impartialité. Donc, c'est l'intensité, finalement, du lien de sujétion économique qui crée le conflit d'intérêts s'opposant à la réinscription. Donc, les textes, la jurisprudence, la pratique aujourd'hui, je l'ai déjà évoqué rapidement tout à l'heure, à propos de la réinscription d'une part, hein, avec des... pour ne citer que celle que je connais bien, la cour d'appel de Rennes, qui a récemment refusé l'inscription d'un médecin au motif que son activité assurantielle, c'était écrit comme ça, était trop importante. Et puis d'autre part, les demandes d'un certain nombre d'avocats qui sollicitent auprès des juridictions la désignation d'experts non inscrits sur la liste IRCA. Donc cette liste qui est dressée par les compagnies d'assurance hein, dans le cadre de la mise en œuvre de la loi Badinter. Donc mes avocats sollicitent du juge qu'il désigne des médecins experts hors liste IRCA. Alors, ce sont des experts par ailleurs régulièrement inscrits sur les listes des juridictions, mais à côté de cela, inscrit sur liste IRCA dans le cadre de leur activité de médecin conseil pour les compagnies d'assurance. Et donc, certains avocats demandent au juge de ne pas désigner des médecins qui seraient régulièrement inscrits, mais par ailleurs inscrits sur la liste IRCA. Ce qui m'amène à évoquer le contrôle d'indépendance et d'impartialité au moment de la désignation. Alors, qui est au moment de l'inscription, réinscription, mais au moment de la désignation. Donc, au moment de la désignation, eh bien, il convient de s'assurer que l'expert va accomplir sa mission avec conscience, objectivité, impartialité. Donc, l'article 237 du Code de procédure civile, l'article R621-3 du Code de justice administrative, avec la possibilité de récuser l'expert, que cette récusation d'ailleurs soit à l'initiative des parties, voire de l'expert lui-même. Et moi, je sais qu'en tant qu'expert judiciaire, alors nous ne travaillons pas du tout pour les compagnies d'assurance, mais il m'est arrivé de me récuser moi-même dans le cadre d'un dossier dans lequel j'avais été désigné sur une affaire en responsabilité qui concernait mon établissement de santé. Bon, j'ai été un petit peu surpris que le magistrat aille me chercher et j'avais moi-même appelé son attention sur ce point-là. Récusation, bien évidemment, à l'initiative des parties, et ce, pour les mêmes motifs que les juges, les textes nous le disent. Et puis enfin, sur la question de l'évaluation des conflits d'intérêts qui pourraient justifier la récusation, la jurisprudence judiciaire n'est pas spécialement généreuse. En revanche, le juge administratif, lui, a déjà eu à se prononcer en la matière, et je vous renvoie vers un arrêt du Conseil d'État du 19 avril 2013, qui guide le juge hein, pour lorsqu'il est saisi d'une demande en récusation de l'expert sur les critères qui pourraient l'amener à cette décision. Donc, il convient, nous dit le Conseil d'État, d'examiner les liens d'intérêt de l'expert, puisqu'il peut y avoir lien d'intérêt sans nécessairement conflit. Hein, c'est au juge d'apprécier si les liens sont de nature à créer une situation de conflit. Et donc, d'aller débusquer dans la nature des liens d'intérêt, dans leur intensité, dans leur date et dans leur durée, l'existence d'un éventuel conflit d'intérêt qui ferait naître un doute sur l'impartialité de l'expert.
Alors, on dit bien impartialité et non pas indépendance, puisque donc, l'impartialité, c'est bien l'attitude neutre fondée sur des éléments objectifs. Et c'est bien ça qu'on attend de l'expert, hein, c'est-à-dire la production d'un avis technique pour éclairer la juridiction. Et non l'indépendance, qui est autre chose. Hein, on peut être dépendant et tout à fait impartial, et inversement. Alors la question est de savoir en quoi le cumul de fonctions d'experts pour les juridictions et de fonctions pour les compagnies d'assurance emporterait ou pas les conditions d'une récusation de l'expert. Alors, cette exigence d'impartialité sur laquelle on sera bien évidemment tous d'accord, elle doit également être conciliée avec une autre exigence, qui est peut-être même d'ailleurs la première, enfin je ne sais pas d'ailleurs si on peut les mettre sur le même niveau, mais qui est celle de la qualité de l'expertise. La justification du recours à l'expert, c'est bien l'incompétence technique de celui qui va prendre une décision. C'est bien parce que le magistrat n'est pas seul en capacité. Je ne discute pas sa compétence juridique. En tout cas, sur le plan de la compétence technique, s'il s'en remet à l'expert, c'est bien parce qu'il lui manque une compétence technique qu'il va donc aller chercher auprès de l'homme de l'art. Or, on sait que en matière de technique, la qualité du travail rendu est étroitement associé à l'habitude de la pratique. Donc, si on estime qu'une bonne expertise, c'est à la fois une expertise rendue par un expert performant et par un expert impartial, il ne faut pas oublier cette dimension de performance, de compétence de l'expert. Et je m'interroge sur le fait que la prime à l'indépendance plutôt qu'à l'impartialité, eh bien, dans quelle mesure elle ne pourrait pas conduire à écarter certains médecins qui seraient parfaitement compétents et bien qu'impartiaux, non indépendants des compagnies d'assurance, en tout cas sur le plan économique, ce qui reviendrait peut-être à appauvrir les listes en y faisant demeurer finalement que alors, les médecins du service public comme moi, ou peut-être, mais là je ne veux pas généraliser ni être manqué de confraternité, ceux qui peut-être travailleraient de manière relativement satisfaisante ou très relativement satisfaisante, ce qui conduirait d'ailleurs les compagnies d'assurance à ne pas s'attacher à leur service. Bon. Que ce n'est pas le fait d'être missionné à une compagnie d'assurance qui fait la compétence, mais bon. Donc, je pense que cette question de la compétence, elle est quand même très importante. Et d'ailleurs, le législateur a tout de même choisi, par la loi Badinter, de permettre l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation dans le cadre amiable. Et dans ce cas-là, les expertises sont réalisées par des médecins libéraux hein, qui exercent pour les compagnies d'assurance. Et je crois que le taux d'acceptation des indemnisations proposées sur la base de ces expertises-là est relativement élevé, ce qui témoigne peut-être du fait que même s'ils sont liés économiquement aux compagnies d'assurance, la qualité du travail qu'ils rendent mérite d'être reconnue. Ce sont pour l'essentiel d'entre eux des médecins compétents, rompus à l'évaluation du dommage corporel, qui maîtrisent bien les outils de son évaluation, notamment la nomenclature d'un TIAC, qui pour l'essentiel d'entre eux, je dirais, sont sensibilisés aux évolutions légales et jurisprudentielles du droit du dommage corporel. Et donc ça peut faire d'eux, de mon point de vue, des experts tout à fait intéressants, tout à fait convenables. Je pense qu'il serait dommage que les juridictions soient privées. Effectivement, la stricte séparation conduirait donc à les exclure, donc à se priver de personnes qui sont quand même relativement compétentes, et donc de faire avec ceux qui resteraient, donc soit les médecins du service public hospitalier, tel que je le suis, ou les autres. Et là, on,
si on regarde le contentieux de la responsabilité des professionnels et des établissements, on a une petite idée de ce que ça pourrait donner parfois, hein, avec des spécialistes d'organes qui sont sollicités très ponctuellement. Et je dirais qu'ici, ils sont tout à fait performants dans leur spécialité médicale, ont beaucoup plus de mal à maîtriser certains principes de responsabilité ou l'évaluation du dommage. Et très clairement, je le vois dans certaines expertises que je lis, des choses qui n'ont ni queue ni tête parfois, où on manie des concepts juridiques sans en maîtriser les tenants et aboutissants, où on vous mélange accessoirement de l'effet indésirable, de la perte de chance, de l'aléa thérapeutique, de l'accident médical non fautif, sans savoir trop ce qui y correspond sur le plan juridique. Et puis, deuxième élément, la stricte séparation aboutira à une raréfaction des experts. Alors, puisqu'il y a fort à parier que chez ceux qui ont la double activité, ils ne choisiraient sans doute pas l'expertise judiciaire. Puisque, pour le coup, avoir une activité exclusivement d'expertise juridictionnelle au sens large n'est pas un modèle viable économiquement pour un médecin libéral. Par ailleurs, la démographie médicale et singulièrement la démographie sur les listes d'experts des juridictions n'est pas très favorable. Et puis enfin, dernier élément, qui est un élément que l'on constate dans toutes les spécialités médicales, qui est celle d'un repli sur sa spécialité. L'accroissement des connaissances fait que même dans une spécialité aujourd'hui, vous avez des sous-spécialités ou des sur-spécialités. Prenez un neurologue, par exemple, ou un cardiologue aujourd'hui. Il peut faire de l'arythmologie, il peut faire de l'imagerie, il peut faire de l'interventionnel, etc. Voilà, les spécialités, le savoir augmente, les spécialités se segmentent. Et je dirais que l'expert un petit peu à l'ancienne, qui avait son activité polyvalente dans sa spécialité, puis qui en plus de ça faisait un peu d'expertise, c'est une catégorie qui est en train, à mon avis, de disparaître. Et si on met ça, si on regarde à côté de ça, en revanche, l'émergence d'un DES de médecine légale, mais expertise médicale en tant que spécialité indépendante, on a peut-être une idée de ce qui va se profiler pour la suite. Alors, le temps passe et quelle proposition, une fois qu'on a dit ça. On connaît la définition du conflit d'intérêts. Hein, on sait que des liens d'intérêts peuvent naître en conflit et que c'est la nature, l'intensité, l'ancienneté du lien d'intérêt qui peut créer le conflit et donc mettre en doute l'indépendance ou l'impartialité de manière réelle ou apparente, puisque c'est la théorie des apparences ici, chère à la CEDH, trouve à s'appliquer. On a une petite idée de la manière dont ça a pu fonctionner dans les expertises médicales au profit de l'administration sanitaire. Et l'affaire Mediator en a été une illustration, mais avant elle, bien d'autres, hein, puisque je dirais que les différents scandales sanitaires, avec des guillemets, mais qui ont émaillé la gestion du médicament et la pharmacovigilance en France, nous donnent une petite idée de la manière dont, déjà depuis plus d'une vingtaine d'années, des dispositifs de détection, de prévention et de gestion des conflits d'intérêts ont été mis en œuvre, et de l'efficacité de ces dispositifs. Alors, je trouve que c'est assez édifiant pour savoir si ce qu'on pourrait ou voudrait mettre en œuvre en matière d'expertise judiciaire pourrait trouver une utilité ou pas du tout. Alors, la question, elle est celle de cette fameuse déclaration publique d'intérêt. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, exigé par le juge administratif au moment de l'inscription, demandé par certaines juridictions au coup par coup lors de la désignation, mais en tout cas jamais généralisé, jamais structuré sur le plan national et, je dirais, dans les deux ordres juridictionnels. Cette déclaration publique d'intérêt, elle est banalisée dans le monde scientifique aujourd'hui, en tout cas dans les sciences dures, puisque toutes les publications d'articles scientifiques, toutes les communications en congrès, toutes les expertises au profit de l'administration doivent faire l'objet d'une déclaration publique d'intérêt. Et ça va même plus loin s'agissant des professionnels de santé qui, quand ils s'expriment dans la presse,
S'ils le font, est-ce qu'un professionnel de santé doivent aussi déclarer leur lien d'intérêt? Bon, alors je vois rarement les confrères qui s'expriment dans la presse le faire, mais enfin, en tout cas, les textes l'exigent. Et donc, c'est cette transparence qui permet finalement la lecture critique de la production scientifique. Et donc, c'est au lecteur finalement de se faire une idée de la foi qu'il accorde à la publication scientifique, eh bien, en fonction des liens d'intérêt déclarés par le ou les auteurs. Bon, ça porte sa place aussi en responsabilité. Bon, l'éditeur, bien sûr, qui ouvre ses colonnes, mais le lecteur qui appréciera par lui-même le crédit qu'il doit accorder à cette production scientifique. Alors, bien évidemment, dans la limite du contrôle des déclarations publiques d'intérêt, et c'est là tout le drame de Mediator, c'est-à-dire quand vous regardez l'arsenal législatif et réglementaire pré-Mediator, il y a théoriquement tous les outils pour que ce qui est arrivé n'arrive pas. Pour autant, force est de constater que même s'ils faisaient tous des déclarations publiques d'intérêt, ben, elles étaient soit incomplètes, soit inexactes, etc. Donc, je dirais, sans contrôle, la déclaration n'est pas grand-chose. Et puis, deuxième élément, dans la limite de notre propre perception de nos situations professionnelles. Et ça a été parfaitement montré dans la littérature scientifique, alors, surtout nord-américaine, parce que la culture de la déclaration des liens d'intérêt et la culture de la transparence y est plus ancienne et qu'elle a été étudiée scientifiquement. Nous avons toujours tendance à penser que les liens d'intérêt de nos collègues influencent leur jugement. En revanche, nous avons naturellement tendance à penser que nos propres jugements ne sont pas influencés par nos propres liens d'intérêt. Il y a là des biais cognitifs sur autrui versus sur soi-même qui ont été démontrés. Alors, indépendamment des initiatives qui existent déjà, je peux citer rapidement le guide des bonnes pratiques de l'expertise de l'Union européenne, les recommandations de bonnes pratiques juridictionnelles de l'expertise civile à la Cour de cassation, ou encore les conclusions de la commission de réflexion sur l'expertise de 2011. Et même si je viens de citer deux limites majeures, hein, la question du contrôle et puis la question de la perception de ses propres conflits d'intérêts, je reste persuadé quand même que les déclarations publiques d'intérêt doivent être encouragées, notamment au moment de la désignation, y compris pour apporter plus de sérénité dans les expertises et notamment pour, je ne vais pas dire évacuer, mais enfin quasiment, cette question-là et éviter, par exemple, ce qui arrive rarement, mais tout de même qui est assez désagréable, des demandes en nullité d'expertise soulevées de manière très tardive parce que les conclusions ne vont pas dans le bon sens au motif d'une problématique d'impartialité. Donc pour moi, cette manière de procéder permettrait d'évacuer d'emblée, si elle se pose, la question de l'impartialité pour ensuite se focaliser sur un débat au fond. Chef du tribunal judiciaire de Marseille fait ça depuis très longtemps, mais ça mérite d'être généralisé en demandant aux experts concernés la part totale d'activités exercées pour le compte des compagnies d'assurance, mettons au cours des deux dernières années, davantage que le nombre de missions, parce que le nombre de missions en soi n'a pas grand intérêt, hein, pour obtenir une description précise en pourcentage pour chaque compagnie. Ce qui permettrait d'ailleurs, et je pense pour un certain nombre de médecins conseils de compagnies d'assurance, de montrer comment cette dépendance financière économique finalement va se diluer dans la multiplicité des missionnements. C'est-à-dire que la plupart d'entre eux sont missionnés par plusieurs compagnies. Hein. Et finalement, cette suggestion, elle se dilue dans la multiplicité des missionnements. Hein. Travaillant pour tout, finalement, eh bien, l'expert ne dépend d'aucun. C'est le sens d'ailleurs d'une décision de la première chambre civile du 9 juin 2017, alors qui concernait un sapiteur, hein, mais sapiteur dont la compagnie d'assurance qui était en question là, ne représentait que 6,2% de son chiffre d'affaires. Et voilà, la Cour de cassation estime que bah, finalement, 6,2% du chiffre d'affaires, c'est sans doute pas suffisant pour considérer que l'expert n'offre pas toutes les garanties d'impartialité.
Voilà ce que je voulais vous dire en substance, et je pense qu'il y aura un débat par la suite sur la question. Donc, de mon point de vue, l'intérêt de cette déclaration publique d'intérêt, avec la limite qui est celle du contrôle, puisque c'est ça qui avait péché, notamment dans l'affaire Mediator. Alors, faut-il qu'il y ait auprès des juridictions un déontologue, comme ça se fait désormais auprès d'un certain nombre d'administrations? Faut-il ramener, comme cette proposition de loi l'avait suggéré, en tout cas s'agissant des experts par ailleurs membres d'une profession dotée d'un ordre, faut-il ramener les ordres dans le débat en leur confiant cette mission, puisqu'on sait par exemple que pour les médecins, hein, les conseils départementaux se voient déférer systématiquement tous les contrats signés par les professionnels, la mission du conseil départemental étant de vérifier si aucune disposition contractuelle ne serait de nature à empêcher l'indépendance du médecin. Et puis le second point de discussion, pour conclure, eh bien ce sont, de mon point de vue, les conflits d'intérêts d'ordre non économique. Les liens d'amitié, d'inimitié, les écoles de pensée professionnelles, les écoles ou les courants de pensée non professionnels, qui sont, de mon point de vue, tout aussi puissants que les liens d'intérêt économique, mais sans doute beaucoup plus difficile à débusquer. Voilà, et je pense que ça, bien évidemment, les médecins experts en ont, les autres avocats du dommage, les autres avocats, ou lapsus, les autres acteurs du dommage corporel en ont sûrement autant, et il est important de les connaître. Voilà, je vous remercie de votre attention, et je suis à votre disposition pour poursuivre la discussion.